37 enfants de maternelle, de CP et de CE1 vivent une semaine exceptionnelle, au rythme du sport, grâce à l'UCEP, l'Union sportive de l'enseignement du premier degré. Les ateliers mis en place par Arnaud vont permettre à ces enfants de courir, sauter, lancer pendant une heure. Pour eux, c'est essentiel, ça leur donne des repères déjà, ça leur apprend les règles. Suivre des règles. Ensuite, ça leur apprend à servir leur corps. Il y en a beaucoup, malheureusement, ils sont sédentaires, ils ne font plus rien chez eux. Donc, à l'école, ça leur apprend à se bouger et puis éventuellement à aimer un sport et puis à s'inscrire en club. Dans ce petit village de 150 habitants, la pratique du sport n'est pas évidente. Il manque un petit peu de structure existante, on est vraiment dans le milieu rural. Pour les familles, il faut faire beaucoup de kilomètres pour vraiment avoir un club et une installation. Donc là, intégrer le sport scolaire directement à l'école leur permet de pratiquer une activité. Cette semaine s'inscrit dans un véritable projet d'école où les enfants apprennent certaines valeurs de façon ludique. J'aime bien faire le sport parce que c'est bien et parce que des fois on gagne et des fois on perd. T'as gagné un bouchon ! Allez, tiens ! Le sport crée un climat favorable aux apprentissages. Tout ce qui aura été fait viendra enrichir le vocabulaire, le travail écrit. Et puis le sport, c'est bon pour la santé. C'est important également pour permettre, de, surtout en cette fin de période, de lâcher un petit peu toutes les tensions, de lâcher un petit peu les peurs, d'exprimer les émotions, de contrôler ses émotions. Oui, c'est très important. À quelques kilomètres de là, à Saint-Christophe-sur-Avre, des ateliers sportifs similaires étaient organisés pour les plus grands.